j'avais envie de, à mon échelle, avoir un impact sur les femmes, d'aider les femmes. J'avais envie de pouvoir faire avancer les choses. Moi, à la base, je suis une personne créative. Je me suis jamais dit, initialement, voilà, je vais faire une marque éco-responsable, et ça a coulé de source. Ça donne un sens incroyable à ce qu'on fait. Et c'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup des matières, et c'est un enjeu fondamental. Il faut recycler, bien évidemment, pour lutter contre ce gaspillage industriel textile. Mais on parle un peu moins des hommes, je trouve. Et nous, c'est vraiment cette balance sur ces deux sujets-là qui sont tout autant fondamentaux l'un que l'autre. C'est con, on parle de vêtements. Donc si t'as envie d'une robe rouge, je sais pas, avec des volants drapés, etc., tu peux la chercher pendant 15 jours, le temps de la trouver. T'as pas besoin d'en acheter une que tu trouves directement, qui est neuve. Aujourd'hui, je pense que toutes les marques qui vont se créer ont un devoir moral de faire de leur mieux, ou en tout cas avec un engagement. La clé essentielle du féminisme, je pense, c'est la notion de sororité. Et ça, je l'ai beaucoup, beaucoup développé dans mon travail, avec les femmes avec lesquelles je travaille, mes clientes essentiellement. Et enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je suis rentrée dans ce métier. Quand j'ai eu des bébés, je me disais, mais c'est quand même dingue, on leur met du benzène sur la peau, quoi. Et donc, je me suis dit, tiens, si un jour je devais faire quelque chose, je ferais des vêtements où il n'y a pas de produits, dans lesquels il n'y a pas de produits chimiques pour les bébés. C'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention. Bienvenue dans Nouveau Modèle. Je suis Chloé Cohen et dans ce podcast, je donne la parole à des femmes engagées. Elles racontent ici leurs histoires, leurs parcours. Elles partagent leurs convictions et leurs combats écologiques, féministes, pour un monde plus juste, plus responsable et plus durable. Quand on parle de mode responsable, on oublie souvent de parler des mannequins. Et pourtant, il y a tellement de choses à dire sur cette profession. Si nous nous battons pour une mode plus éthique, nous devons aussi nous battre pour plus d'éthique dans le mannequinat. Dans cet épisode, je donne la parole à Victoire Dossert, une ancienne mannequin qui a souffert d'anorexie mentale. Aujourd'hui, elle est ambassadrice pour The Responsible Trust for Models et lutte pour plus d'humanité et de responsabilité dans le mannequinat. Elle est aussi l'autrice du livre « Jamais assez maigre, journal d'un top modèle ». Cet épisode est très important pour moi. Je vais me confier ici, comme je le fais rarement. Probablement parce que c'est plus simple de parler caché derrière un micro, sans regard, sans jugement. Ma petite sœur souffre d'anorexie et de boulimie. Entre les séjours à l'hôpital, les tentatives de suicide, la manipulation, l'incompréhension, cette maladie est très compliquée à vivre, y compris pour l'entourage. La société patriarcale, les publicités, les magazines de mode sont en partie responsables du regard que nous portons sur nos corps. Quand le magazine Elle publie un dossier consacré à la perte des kilos pris pendant le confinement et écrit « Être un peu moins appétissante qu'avant minimise sûrement les risques de se prendre une main au cul. C'est irresponsable et tellement dangereux. » Si vous souffrez d'anorexie mentale ou si l'un de vos proches est concerné, l'épisode sera peut-être difficile à écouter, alors attendez un peu. Pour les autres, il vous permettra, je l'espère, de mieux comprendre cette maladie. Je laisse maintenant la parole à Victoire et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Victoire, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour venir parler avec moi sur ce podcast. Alors déjà, comment tu vas ? Eh bien, écoute, ça va. C'est vrai que c'est assez particulier quand même cette période. Donc, il faut faire avec. Mais je pense que comme toute période difficile, ça nous permet aussi d'apprendre beaucoup sur soi, sur le monde, sur les personnes avec qui on vit, et puis sur les personnes qu'on aime aussi. Enfin, ça nous réapprend finalement à apprécier toutes les petites choses. Enfin, c'est toujours un peu bateau hein, de dire des choses comme ça, mais finalement, c'est la réalité. Moi, j'ai fait mon confinement avec mes parents et avec mes frères. Et finalement, on s'est tous dit, il faut autant en profiter parce que c'est quelque chose qui peut-être n'arrivera plus jamais. Parce que c'était vraiment un retour en enfance. Donc, même s'il y a aussi des moments où on était aussi un peu, peut-être chacun individuellement à pas triste, mais à se dire bon, bah là, on n'a plus de projet, ou voilà, il y a forcément, c'est hyper difficile aussi pour le travail, parce qu'on est tous aussi à faire dans des métiers créatifs, donc bah pour ça, c'est quand même très difficile. Et quand on est humain, c'est assez démoralisant quand on peut plus se projeter, forcément. Mais il y a forcément aussi quand même du positif pour tout, et puis ça permet de d'apprendre à être bienveillants les uns avec les autres. Là, je suis en Angleterre maintenant et c'est la semaine de la bienveillance ici pour la santé mentale, parce qu'ils font beaucoup de choses pour la santé mentale. On est très en retard pour ça en France. Et moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, forcément, vu que j'ai traversé beaucoup de choses par rapport à ça. Et finalement, comme tout, on peut choisir aussi de faire des petits gestes qui vont dans ce sens-là, finalement.
Donc voilà, par exemple, ce matin, j'ai renversé mon café. Bon, j'aurais pu voilà, être très énervée, ce qui, la plupart du temps, est ma réaction. Bon, et là, je me suis dit, oh, c'est pas grave. Après, j'ai le podcast avec Chloé, donc je vais être cool avec moi-même et je vais en rire. Je me suis pas brûlée, donc ça va, c'était pas... Tout va bien, du coup. Voilà. Non, mais tu as raison de réagir comme ça. Et alors, j'aimerais bien qu'on remonte un petit peu en arrière pour comprendre qui tu es aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton enfance? Où est-ce que tu as grandi? Comment était ton éducation pour qu'on comprenne un peu la personne que tu es devenue? Oui, c'est une bonne question. C'est vrai que ça joue beaucoup, je pense, comme toutes les expériences d'ailleurs, pour savoir qui on devient, parce que ça nous construit énormément. Je fais de la psychologie en ce moment, j'ai repris des études, et c'est fou à quel point ça nous forge. Il y a une partie, évidemment, qui est, je pense, peut-être innée de notre caractère, mais ensuite, le milieu dans lequel on grandit, forcément, ça joue. Moi, je pense que j'ai eu énormément de chance, hein, parce que j'ai eu une enfance très heureuse. C'est peut-être pour ça que je veux devenir actrice maintenant. Du coup, je ne grandis pas, je continue à jouer. Ça peut peut-être être une explication. Parce que moi, j'ai vraiment grandi voilà, avec les Disney, donc avec beaucoup d'illusions aussi peut-être. Donc ensuite, ça fait peut-être mal aussi finalement quand on grandit. Hein. Moi, je pense que j'ai cru au Père Noël jusqu'à 15 ans. Hein, donc c'était peut-être même voilà, au-delà du ridicule. Mais j'ai grandi à Asnières avec mes deux parents, parce que j'ai de la chance, ils ne sont pas divorcés et encore très amoureux. Donc je pense que c'est très rare aujourd'hui, avec deux petits frères, dont un qui, on a qu'un an d'écart, donc on est vraiment très proches, parce que voilà, c'est comme des jumeaux. Enfin, l'autre, je l'aime tout autant, hein, mais on a 6 ans d'écart, donc c'est une plus grande différence. Avec un chat, avec un cochon d'Inde, dans un jardin. et j'avais beaucoup de chance, parce que ma mère est artiste peintre, et donc elle avait... Enfin, elle a toujours son atelier dans la maison et donc elle nous a élevés aussi. Enfin, donc voilà, on était tout le temps avec elle, quoi. Donc on était très très couvés, très protégés. Enfin, c'était très fusionnel. Mon père, lui, voyageait énormément pour son travail, donc on le voyait moins, mais il s'occupait tout autant de nous quand il était là le week-end et voilà, pas le soir moins parce qu'il rentrait tard, mais du coup, c'était une enfance très heureuse avec beaucoup d'art aussi, beaucoup de culture, donc avec mes grands-parents aussi qui sont beaucoup occupés de nous, qui sont artistes aussi. Donc oui, je peux pas vraiment dire de choses. Après, mes parents étaient quand même aussi stricts dans le sens où c'était pas la maison baba cool non plus, quoi. C'est-à-dire que moi j'étais l'aînée, donc voilà, il fallait que j'ai des bonnes notes. Que je travaille un peu, enfin, je pense comme peut-être beaucoup de familles françaises aussi, parce qu'ensuite, quand je suis venue faire mes études en Angleterre, j'ai trouvé ça extraordinaire, la liberté de penser et la créativité ici dans les études. Mais voilà, par exemple, moi, j'ai toujours voulu devenir actrice et ça inquiétait beaucoup mon père, ça, que je veuille faire ça. Donc, il m'avait dit non, tu fais des études d'abord. Plus sérieuse, et puis ensuite, si tu veux toujours faire ça, tu le feras. Mais voilà, c'était un peu l'esprit français, quoi. Enfin, ouais, pour me protéger, d'accord. Je suppose aussi de... Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et est-ce que tu te souviens comment on te parlait de tout ce qui était du milieu de la mode, de l'industrie textile, du mannequinat, quand tu étais plus jeune? Et si on t'en parlait, on va comprendre plus tard, parce que tu es devenue mannequin et on va en parler, mais pour savoir si tu avais ce genre de discussion, si c'était des choses que tu regardais quand tu étais plus jeune. Pas vraiment. Alors, j'avais... Enfin, j'ai eu accès quand j'étais peut-être adolescente à des magazines de mode parce que voilà, ma mère achetait juste les magazines féminins. Mais moi, j'étais plutôt dans un milieu artistique dans le sens peinture, sculpture, beaux-arts, voilà, parce que ma mère et mes grands-parents sont artistes peintres, mais pas dans la mode. Alors, ma grand-mère, quand elle était plus jeune, était styliste, mais ne l'a pas été longtemps. Donc, voilà, quand j'allais chez elle, je voyais ses croquis, mais qui dataient des années 60. Donc, c'était aussi une autre mode. C'était plutôt comme les dessins de Yves Saint Laurent. Mais c'est le seul, finalement, œil que j'ai pu avoir sur ce monde-là. Donc, j'ai jamais eu de discussion sur la mode. Donc, c'était quelque chose qui était vraiment très extérieur
à mon milieu et à mon éducation. Enfin, je connaissais rien de ce milieu-là. J'étais comme toutes les jeunes filles. Oui, si on me disait « Oh, c'est un top modèle », je pouvais peut-être avoir ce regard en me disant « Oh, waouh !» Mais j'étais une petite fille très sérieuse et très angoissée à me dire « Il faut absolument que j'ai des bonnes notes ». Aussi parce que j'étais dans une école très stricte, une école catholique où voilà, il fallait avoir des bonnes notes et on n'avait pas le droit de redoubler quoi. Donc du coup j'étais très concentrée là-dessus et j'étais pas du tout consciente de mon corps aussi. Je savais juste que j'étais très grande et j'étais très complexée par rapport à ça. Mon père est très grand et du coup j'avais toujours une tête de plus que mes copines, mais du coup pour moi c'était plus un complexe qu'autre chose. Mais je veux dire, moi je me suis pas intéressée aux garçons avant 18 ans. Enfin, j'étais pas, mon seul truc c'était voilà, avoir des bonnes notes, et les gens dans ma classe venaient me voir pour avoir des corrections d'exercices. Donc j'étais pas du tout dans un truc. J'étais pas intéressée par la mode, j'étais pas intéressée par. J'étais plutôt bien sérieuse. Sûr, ouais. Donc du coup, c'était assez. C'était très éloigné de moi tout ça. Ok. Et donc, pour détailler un petit peu ensuite tout ce qui s'est passé, donc à 16, 17 ans, hein, je crois, tu es repérée pour devenir mannequin. Ouais. 17 ans, tu es repérée dans la rue. Donc, tu deviens très rapidement l'un des top modèles les plus demandés dans le monde. Mais est-ce que tu te souviens de ce que tu as ressenti quand on t'a proposé de devenir mannequin ? Est-ce que tu t'es sentie flattée, intriguée ? En fait, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là ? Oui, je me souviens très bien. J'étais en terminale et j'étais en train de préparer mon bac. Et donc, comme je te le disais, j'étais très sérieuse. Donc, du coup, je ne faisais que travailler. Et ma mère, justement, m'a dit « Oh, mais viens quand même, on va faire un petit tour. » C'était un samedi, quoi. Donc, elle m'a dit « Tu vas pas travailler maintenant. » Ah oui, et parce que je travaillais beaucoup parce que je faisais aussi une prépa en même temps pour Sciences Po, parce que je voulais à ce moment-là intégrer Sciences Po, donc je faisais ça en plus de ma terminale. Et voilà, et ma mère m'a dit « Bon, on va se balader, on va aller dans le Marais. » Elle, pour le coup, elle adore faire du shopping, donc elle m'a dit « Viens m'accompagner, on va faire du shopping ensemble. » Et en fait, on était devant une vitrine et il y a un petit mec qui... Je dis un petit mec parce qu'il était petit. Hein. Enfin bref, et donc du coup, il vient me voir en me disant... Est-ce que vous avez déjà pensé à être mannequin ? Vous êtes magnifique, vous êtes... Ah oui, il m'a dit, vous avez un nez extraordinaire. Et alors ça, je me suis dit, le mec se fout totalement de ma gueule, parce que dans ma famille, chez les Doxers, donc ça c'est la famille de ma maman, tout le monde a un peu une petite bosse sur le nez. Et ma mère a toujours été... Enfin franchement, il faut vraiment le voir. Hein. Ma mère va me détester que je dise ça maintenant, mais... parce qu'elle, elle est très complexée par ça. Et du coup, moi, quand j'étais petite, je me suis dit, oh là là, ça doit être terrible d'avoir du coup ce nez-là. Et moi, quand j'étais petite, je me tapais du coup sur le nez pour ne pas avoir cette bosse. Donc, les gens dans mon école, enfin, les élèves devaient se dire, OK, celle-là est totalement tarée. Et du coup, je me suis modifié le nez parce que du coup, j'ai légèrement un bleu. Je me suis aplati le nez parce que je faisais vraiment ça à toutes les cours de récré. Hein. Donc, ils devaient se dire que j'avais quand même un petit souci. Et en fait, du coup, il m'a repéré pour mon nez qui je ne sais pas si, enfin, il est différent. Mais donc, je me suis dit, il se moque de moi. Et puis je me suis dit, oh bah, enfin, si ça se trouve, il essaie de me draguer, ou enfin, j'en sais rien. Et puis moi, j'étais pas habituée de toute façon à ce qu'on vienne me parler, qu'un homme vienne me parler. Et puis ensuite, en fait, ma mère m'a rejoint parce qu'elle était dans la boutique, ou enfin, dans une autre rue ou à côté. Et il a continué à me parler. Donc je me suis dit, ah, c'est bizarre qu'il ne parte pas alors que ma mère revient. Et ensuite, il m'a donné sa carte, qui était une carte de l'agence Elite. Et donc ça, même si j'étais pas dans ce monde-là, tout le monde connaît Elite. Ça aurait été une autre agence de mannequins, hein, je l'aurais pas connue. Mais Elite ou Ford, c'est les deux plus grandes, ou c'était en tout cas. Et donc du coup, oui, je me souviens avoir été très flattée. Parce que comme personne m'avait peut-être remarqué forcément pour ça, enfin, ma mère m'avait toujours dit quand j'étais petite qu'elle me trouvait belle, ou voilà, mais que je veux dire comme une maman le fait. Et donc du coup, bien j'ai sûr. Été très flattée qu'il me dise ça, mais enfin, il n'empêche que ça m'a quand même pas du tout intéressée, parce que je lui ai dit... je lui ai dit non, merci. Parce que je lui ai dit, moi, je vais passer mon bac dans un mois, je vais passer le concours de Sciences Po. Donc, ça ne m'intéresse pas du tout.
Et en fait, le revirement, ça a été que... Bon, j'ai eu mon bac quand même, heureusement. Mais je n'ai pas eu Sciences Po. Et alors ça, ça a été horrible pour moi. Parce que je... Ouais, ça a été horrible. Mais bon, c'était un concours, hein, donc c'est comme ça. Mais du coup, pour moi, c'était vraiment un échec. Parce que je me suis dit, oh là là, ça veut dire que je suis bête. Et du coup, je me suis dit, bah, si je... Enfin, oui, pour moi, c'est... je pense que comme je suis très perfectionniste et que je veux toujours... enfin, où je voulais en tout cas que mes parents soient fiers de moi et je voulais pas les décevoir, je me suis dit, bah, au moins, je pourrais peut-être être bonne là-dedans, enfin, dans cette profession-là. Et donc, du coup, je l'ai rappelé pour avoir un rendez-vous chez Elite. Ok, donc c'était un peu une revanche en fait. Tu as accepté de devenir mannequin un peu comme une revanche pour montrer que tu étais capable d'être la meilleure quelque part. Oui, quoi. Exactement. Bah, j'étais tellement déçue en fait. Et puis du coup, je n'avais pas forcément pensé à faire autre chose. Et donc, et puis aussi, comme je voulais de toute façon, au fond de moi, toujours être comédienne, je me disais, oh, bah, moi, je ne connais personne dans ce milieu-là, alors c'est aussi un milieu artistique, peut-être que ça me permettra d'accéder à ça ensuite. Alors pas du tout, hein. Ça c'était une grosse erreur de calcul, parce que maintenant en France, quand les gens savent que j'ai fait ça, ils me disent alors au revoir, parce que ça c'est tous les stéréotypes aussi, parce qu'on est très vite mis dans une boîte, enfin dans une case, hein. Donc on a fait quelque chose, ah elle est mannequin, donc elle est bête. Mais bon, à ce moment-là, je ne m'étais pas trop posé la question, quoi. Je me suis juste dit, j'ai raté quelque chose, donc il faut que je réussisse quelque chose d'autre. Ouais. Tu étais jeune en plus. Oui, c'est ça. Enfin, du coup, quand je l'ai rappelé, c'était un mois après. Donc, je venais d'avoir 18 ans et je me suis dit, je pense que oui, j'étais un peu paumée. Bah, de toute façon, ça, eux, ils le savent très bien. Hein. Ils ont un grand discours à vous dire, tu vas gagner énormément d'argent, tu vas voyager dans les plus beaux pays du monde, tu vas être considérée comme... une des plus belles femmes du monde, forcément, ça donne envie. Donc, et encore, moi, j'étais une des plus âgées parce que la plupart du temps, ils castent des filles qui ont 15-16 ans. Et puis, c'est un contrat d'un an. Donc, de toute façon, je m'étais dit, bah, dans un an, je peux faire totalement autre chose. Donc, je ne savais pas que psychologiquement, ça allait autant m'affecter. Parce que de l'extérieur, je n'y connaissais rien à tout ça. Ouais, et puis tu pouvais difficilement prévoir. Donc c'est vrai que pour expliquer un peu ce qui s'est passé, donc tu acceptes de devenir mannequin et en quelques mois, tu tombes dans l'anorexie mentale. Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà un peu ce que c'est cette maladie pour celles et ceux qui écouteraient et qui ne connaîtraient pas ce terme? Et surtout, est-ce que tu peux nous raconter finalement comment tu es tombée dedans? Mmh. Oui, bah comme tu l'as très bien dit, tu as utilisé le mot mental. Effectivement, c'est une maladie mentale parce que, et ça c'est quand même important de le souligner parce que il y a plein de gens, de jeunes filles malheureusement, ça touche 90% de jeunes filles par rapport aux hommes. Enfin, c'est 9 filles par rapport à pour un homme et elles en meurent. Enfin, on peut en mourir parce que voilà, il y a des arrêts cardiaques, ça peut mener aussi au suicide. Et d'ailleurs, comme la plupart des maladies mentales, hein, parce qu'il y a aussi une énorme stigmatisation autour de ça, mais il y a quand même 12 millions de personnes en France qui souffrent de troubles mentaux, donc c'est énorme parce que c'est quand même une personne sur 5. Et la plupart débutent aussi à l'adolescence. Et le suicide, c'est quand même la deuxième cause de mortalité, en sachant qu'en France, il y a quand même un décès toutes les 40 minutes. Donc on en parle aussi de... Alors là, j'élargis, c'est pas seulement l'anorexie, mais l'anorexie, plein de personnes peuvent dire « Oh, c'est une petite maladie de riche » ou « Voilà, il suffit de manger ». Mais non, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut arriver très vite. Et ensuite, c'est... moi, ce que je décris dans mon livre, c'est comme une petite voix, c'est-à-dire qu'ensuite, malheureusement, ce n'est plus nous. Donc c'est la maladie qui... Voilà, qui parle à notre place et c'est une peur monstrueuse de grossir. Et c'est d'ailleurs ensuite les troubles alimentaires, ça peut être aussi la boulimie, l'hyperphagie. Enfin, il y a plein de, malheureusement, de déclinaisons possibles. Et c'est du coup l'anorexie, une peur de grossir tellement énorme qu'on peut se laisser du coup mourir de faim. Et donc il y a plein de conséquences, alors qui ne sont pas du coup forcément la mort. Mais ensuite, voilà, ça peut être. Moi j'ai eu de l'ostéoporose, donc à 19 ans, un an après, j'avais un squelette de 70 ans.
alors que j'avais seulement 19 ans. On perd ses cheveux, on a une dysmorphophobie aussi, donc ça veut dire qu'on ne se voit pas du tout comme on est. Donc on se voit évidemment énorme alors qu'on n'a absolument plus de gras sur le corps, on a une fonte des muscles. J'ai même pas tout, évidemment je suis pas médecin, hein, mais on a, et puis psychologique, au-delà du physique, c'est la psychologie aussi qui est extrêmement abîmée, parce que voilà, on n'a plus du tout d'estime de soi, dans les rapports aux autres aussi, et puis ça a un impact aussi bien sûr sur tout l'entourage, enfin la perte des cheveux, voilà, enfin c'est terrible. Donc, et puis, il y a le jugement aussi des autres sur nous, sur les jeunes femmes qui en souffrent. Et d'ailleurs, les mots sont très importants parce qu'on dit « tu es anorexique », mais on ne va pas dire à quelqu'un « tu es cancer ». Donc, moi, je trouve que c'est important de dire « tu souffres d'anorexie » puisque c'est une maladie et c'est détaché de soi. Et donc, moi, la manière dont je suis tombée dedans, alors, je pense effectivement hein, qu'il y a des facteurs parce que toutes les études qui sont faites sur les jeunes femmes et les jeunes hommes qui en souffrent. Parce que voilà, je dis jeunes parce que c'est souvent à l'adolescence, mais ça peut être aussi bien plus tard, souvent quand il y a des changements hormonaux, donc ça peut être aussi ensuite à la ménopause, par exemple, quand il y a un changement, en tout cas, du corps qui s'établit. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Comment tu es tombée malade, en fait ? Oui, merci beaucoup. Je disais, effectivement, il y a sûrement des facteurs qui sont préalables à ça, parce que dans les études qui ont été faites, effectivement, c'est beaucoup on veut pas décevoir, et beaucoup de perfectionnisme, des personnes très déterminées, très sensibles, bonnes élèves en général, enfin il y a un profil en fait, voilà. Mais ensuite, il y a aussi souvent un élément déclencheur qui peut être totalement différent selon l'histoire des personnes. Donc ça peut être une perte, un deuil, un choc émotionnel, voilà, une rupture, mais ça peut être aussi une phrase qui n'aura absolument pas d'impact sur quelqu'un, mais qui sera dévastateur sur quelqu'un d'autre. Et moi, en l'occurrence, il se trouve que j'avais eu cet échec. Mais je veux dire, je ne me suis pas arrêtée de manger après avoir raté Sciences Po. Il se trouve qu'ensuite, je suis arrivée dans ce milieu-là. Et que lorsque je suis arrivée dans l'agence Elite, alors ils sont très forts, hein, parce que c'est très vicieux, c'est-à-dire qu'ils ne vous disent jamais « tu dois perdre du poids », en revanche, ils vous disent « si tu veux travailler, tu dois rentrer dans une taille 32 ». Alors du 32, ça correspond à du 12 ans, en sachant que vous en avez donc 18, que aussi vous mesurez 1m80. Parce qu'ensuite, il y a plein de jeunes filles de temps en temps qui m'écrivent « oui, mais moi je fais du 32 ». Oui, mais si on mesure 1m50, c'est pas pareil que lorsqu'on mesure 1m80. Et sûr. Encore une fois, après, il y en a qui me disent c'est ma morphologie. Oui, alors après, là aussi, j'ai demandé à des médecins, pour 10% de la population, c'est effectivement leur morphologie. Mais pour 10%. Donc, il y a quand même plus de mannequins pour qui, malheureusement, c'est un trouble alimentaire, que pour qui c'est leur morphologie naturelle. Donc, pour la plupart d'entre elles, c'est une souffrance. Alors, elles ne sont pas toutes effectivement anorexiques, mais elles ont une relation anormale avec la nourriture, parce qu'elles se privent ou parce qu'elles font du sport à outrance, ou voilà, parce qu'elles ont en tout cas une relation problématique avec la nourriture. Et donc moi, effectivement, je faisais du 36, qui était quand même déjà très mince, mais parce que aussi j'étais très jeune et donc j'avais pas non plus mon corps de maintenant. Parce qu'effectivement, on n'a pas le même corps quand on est ado que lorsqu'on est plus voilà, développé en tant que femme. Et on m'a dit, voilà, tu dois rentrer dans du 32. Donc, ça me faisait perdre deux tailles de vêtements. Et en fait, si vous voulez, si tu veux, mais on va dire que je parlais à toute ton audience, il mesure les tours de... Les mensurations. Donc, les mensurations, c'est le tour de poitrine, le tour de taille et le tour de hanche. Mais alors, quand on dit le tour de hanche, c'est au milieu de la fesse. Donc, c'est le plus gras de la fesse. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas en avoir du tout, parce qu'il faut faire en dessous de 90 cm. Donc, moi, ils avaient noté sur mon composite. Donc, le composite, c'est la petite fiche qui présente les mannequins avec ta photo, ton agence... ton âge, ta nationalité et tes mensurations. Et ils avaient noté 87 cm de tour de hanche, sauf que moi, je faisais 92, comme ça. Donc, encore une fois, déjà, ce qui était quand même vraiment pas énorme, hein, parce que c'est plus le cas aujourd'hui.
Et donc, je m'étais dit, oh, bah, je dois perdre 3 ou 4 centimètres. Et donc, je m'étais dit, ça, je ne sais pas pourquoi, mais parce que dans mon esprit, j'avais simplifié le truc et je m'étais dit, je dois perdre 3 ou 4 kilos. Et donc, bêtement, encore une fois, je ne savais pas, et puis j'avais 18 ans, j'ai regardé sur Internet quels étaient les aliments qui pouvaient me rassasier. Alors, ce n'est pas un conseil que je donne, hein, parce que ça aussi, on a pu me le reprocher en écrivant les trucs dans mon livre et en me disant, vous donnez des conseils pour les anorexiques. Non, étant donné la morale et la suite de mon livre où j'ai quand même fait une tentative de suicide, la morale, c'est ne faites pas comme moi, parce que le but n'est pas d'arriver dans un lit d'hôpital. Le but, c'est d'éviter tout ça et de ne faire aucun régime. Mais ce que j'ai fait, c'est donc à ne pas faire, c'est que j'ai mangé 3 pommes par jour au lieu de 3 repas. Et en fait, moi, vraiment très sincèrement, parce que je suis quand même quelqu'un, j'estime qu'il y a beaucoup de volonté, je m'étais dit, je vais faire ça jusqu'à ce que je perde ces 4 kilos et ensuite je vais arrêter. Et je pensais sincèrement pouvoir le faire comme beaucoup d'entre nous, malheureusement, ont fait des régimes et se sont dit, bah, je fais ça, ensuite j'arrive à mon poids et c'est fini. Et comme aussi beaucoup d'entre nous qui ont fait des régimes, j'ai fait vraiment sincèrement tous ceux qui existent sur la planète Terre, à chaque fois j'ai repris ensuite. Et ensuite, c'est encore plus dur de retrouver son poids. Et c'est aussi beaucoup plus dur de retrouver son estime de soi, sa confiance en soi. Donc vraiment, il faut éviter de faire ça. Et ce qui était terrible quand j'ai fait ce truc qui était le plus con, de faire les 3 pommes par jour, c'est que je suis rentrée comme ça, du coup, à cause de moi, mais sans le savoir, dans la spirale de l'anorexie. Parce qu'en fait, j'ai installé cette petite voix s'est installée en moi de me dire, ensuite, à chaque fois que je voulais manger quelque chose, t'es trop grosse, tu vas grossir, tu vas jamais faire les défilés, tu vas jamais entrer dans du 32. Et ça s'est insinué au fur et à mesure et de plus en plus fort et ça a pris en fait tout le pouvoir sur moi. Et finalement, toute ma vie à ce moment-là n'est devenue que ça. Ce n'était plus que cette petite voix qui me disait « ne mange pas, t'es trop grosse ». Et ensuite, je ne pouvais du coup manger que des légumes, même manger un petit bout de poulet ou un petit bout de poisson, c'était pas possible. Ajouter de l'huile d'olive, c'était un cauchemar. Et c'était monstrueux, c'est-à-dire que j'avais des crises d'angoisse et des crises de panique du coup tout le temps. Je me pesais, mais 3 fois par jour, c'était terrible. Et ensuite, sortir de ça, c'est franchement, je le souhaite à personne, quoi. Mais en plus, tu racontes dans différentes interviews que ça va encore plus loin, c'est-à-dire que vous êtes complètement déshumanisé en tant que mannequin. Mm-hmm. Ce sont carrément des pratiques qui relèvent de la maltraitance, quoi. Parce que par exemple, tu dis, personne ne vous appelle jamais par votre prénom, vous êtes simplement une nationalité, un âge. Toi, tu étais française, 18 ans. C'est extrêmement violent quand on a 18 ans et qu'on est finalement qu'un objet, quoi. Exactement. Et il paraît que c'est ce qu'il y a de pire, d'ailleurs, hein, d'être déshumanisé comme ça. Parce qu'ensuite, c'est vraiment n'être qu'un corps, en fait. N'être qu'un objet. Et effectivement, il y a plusieurs scènes, oui, que je décris dans mon livre où on me mettait, par exemple, pour un défilé, on m'a mis de la colle dans les cheveux. Et de la vraie colle. Donc, c'est-à-dire qu'ensuite, je suis rentrée chez moi. Et je me suis peignée et j'ai perdu une mèche entière de cheveux. Et quand j'ai appelé mon agent, ils m'ont dit « Ah oui, mais ils font toujours ça pendant ce défilé. » Donc en plus, moi, ce que je trouve pire, c'est qu'ils savent. Ils savent très bien vers qui ils vous envoient, comme pour toutes les histoires d'abus sexuels. Ils savent quand un photographe a cette réputation et ils vous envoient quand même. Parce que de toute façon, ils ne vous traitent même plus comme un être humain. Je pense que c'était le pire. La solitude et de ne savoir que vous n'avez même plus de valeur. Et encore, moi, j'avais une chance incroyable qui était que j'étais française déjà, donc que j'avais toujours un droit quand même, enfin, une protection de pouvoir rentrer dans mon pays et d'avoir ma famille qui était très présente et donc de me dire que, voilà, je pouvais toujours avoir un avenir après parce que je pouvais faire des études et m'en sortir. Mais c'est pas un mythe quand on dit « Ah, elles viennent toutes des pays de l'Est ». Comme l'agence vous avance tout.
Elles vous avancent au départ votre billet d'avion. Par exemple, moi, j'ai commencé à la Fashion Week de New York. Donc, elles m'ont avancé sur mes futurs contrats, mon billet d'avion Paris-New York. Mais vous ne savez pas ça, combien ça vous coûte. Donc, elles choisissent pour vous. Donc, les filles qui viennent de Russie, elles leur paient ça. Je ne sais pas combien ça peut coûter, 600, 700 euros. Si ensuite, ces filles-là, elles ne bossent pas. En plus, l'agence leur paie un appart où vous vivez à 5, à 6, à je ne sais pas combien, dans un appart à New York. Moi, je vivais dans Chelsea, par exemple, à New York. C'est extrêmement cher. Donc ça, c'était déduit de mes futurs contrats. Mais moi, heureusement que j'ai fait tous les défilés, que j'ai fait des campagnes, etc. Parce que ensuite, si vous ne faites pas assez d'argent, bah, du coup, vous êtes redevable à l'agence. Donc vous devez, vous êtes prisonnier d'elle, si vous voulez. Enfin, comme c'est un truc de Mac, un peu. Il y a énorme. Moi, j'ai fait des conférences ensuite avec une jeune femme qui était spécialiste, voilà, de la prostitution, me disait, c'est effroyable à quel point il y a des ressemblances avec ça. Et c'est véritablement du trafic humain. Parce que du coup, il y a plein de jeunes filles qui ensuite sont obligées de devenir escortes pour faire de l'argent, parce que sinon, elles ne peuvent pas se sortir de ça. C'est dingue, quand même. C'est terrible. Et donc, en fait, à cette époque, tu rentrais dans du 32, tu pesais 47 kilos pour 1m80, rappelons-le. Oui. Tu racontes qu'on t'applaudissait quand tu es revenue comme ça à l'agence Elite, sauf qu'en fait, tu étais malade. Est-ce que tu te rendais compte à l'époque de l'absurdité de ce système ? Non, je pense non. Oui, c'est terrible maintenant quand on le dit. C'est peut-être pour ça aussi que ça continue énormément. C'est que personne ne le dénonce. Et peut-être que nous, en tant que mannequins, et quand moi je l'étais, on ne se rend pas compte de ça. On ne se rend pas compte à quel point on est manipulé. Peut-être parce qu'on est très jeune aussi. Et que les personnes qui seraient capables de le dénoncer ne le font pas. Alors que tout le monde devrait être responsable de ça. Donc ça, c'est quand même... Ça, c'est honteux, moi, je trouve, pour les personnes qui sont responsables et qui devraient le dénoncer. Moi, je pense que j'étais tellement, à ce moment-là, très tôt, dans un niveau élevé de cette maladie, de l'anorexie, que j'étais dans un déni total. Et le déni fait partie de la maladie. Et du coup, c'est vrai que je pouvais, par exemple, voir d'autres mannequins et me rendre compte qu'elles étaient malades, parce que je me souviens notamment d'une jeune fille, et je me disais, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est maigre, elle est presque translucide, quoi, c'est même plus de la maigreur. Et moi, je tombais dans les pommes, hein, régulièrement, j'avais des crises d'angoisse, mais monstrueuses. Une fois, j'ai dévoré un poulet entier, je me suis jetée dessus, mais ma mère m'a dit, on dirait l'enfant sauvage, mais je me suis jamais dit que moi, j'étais malade, par exemple. Le moment où je m'en suis rendu compte, c'est quand je suis arrivée dans un hôpital psychiatrique et que le médecin a mis des mots sur ma maladie. Mais avant ça, jamais, parce qu'on est toutes pareilles. Donc du coup, c'est l'effet de groupe, quoi, aussi, qui renforce ça. Et puis aussi, étant donné que les agences de mannequins vous disent tout le temps, tu ne sais pas, moi je sais, donc écoute-moi, ne pose pas de questions. Et puis qu'à chaque fois que vous posez une question, et vous dites, je savais que toi, t'allais me faire chier avec ça. Nous, on aime les gens qui posent pas de questions. Moi, je connais mon métier. Toi, tu viens de débuter, donc écoute ce que je te dis. Et du coup, oui, c'est compliqué de... Non, c'est compliqué de se rendre compte. Depuis le début, après, c'est plus un sentiment. Je savais très bien que les choses étaient évidemment malsaines et je détestais cet environnement. Mais je me rendais pas compte, en revanche, que j'étais malade. Ouais. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux agences de mannequins, enfin à l'industrie textile en règle générale ? Oh bah qu'ils prennent leurs responsabilités, hein, parce que c'est quand même honteux quand on est adulte. C'est le but d'être adulte, quand même. C'est d'être responsable et de montrer le chemin aux autres. Donc quand on sait, on doit dire. Enfin, il y a une telle omerta dans le milieu de la mode, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, parce que je me suis dit, on ne peut pas voir autant de choses et ne pas le dire, c'est pas possible. Donc chacun a sa responsabilité, mais d'ailleurs, c'est chaque personne dans la mode, que ce soit les agences de mode, les photographes, les LVMH, Kering, les créateurs, les designers, hein, voilà, parce que c'est quand même eux qui réclament des mannequins aussi maigres. Arrêtez, quoi. Enfin, c'est tellement simple.
Je comprends même pas. Ça me dépasse, franchement. Il nous faut une crise avec le coronavirus pour qu'on se rende compte que la santé est plus importante que l'économie. Je trouve ça quand même très triste pour l'humanité. Parce que la mode a un tel pouvoir de changement. Et du coup, une responsabilité aussi. Donc, ça pourrait être extraordinaire. Enfin, ça pourrait être seulement un véhicule d'art et de messages positifs qui pourrait fédérer plein de personnes autour d'elle. Donc, c'est un choix. Mais comme pour tout, au niveau individuel et au niveau universel. Et donc, chaque personne, je pense, quand on vient ici, d'ailleurs, de manière générale, on est responsable du message qu'on veut délivrer et de ce qu'on veut faire de notre vie. Et c'est bien ou c'est mal, quoi. Enfin, c'est un peu manichéen de dire ça, mais là, franchement, si on se rend pas compte que l'humain doit passer avant du tissu et avant de l'économie, je comprends pas. Surtout que ça ne changerait pas. Enfin, quand on voit maintenant, par exemple, des marques comme Etam ou des marques plus jeunes, qui célèbrent la diversité, elles marchent très bien aussi. Donc, et puis dans les années 80, les mannequins étaient en bonne santé, on célébrait un corps sain. La mode, elle est bien aussi. Donc, pourquoi célébrer un corps décharné? Pourquoi dire aux femmes en 2020, on célèbre votre maladie, votre maigreur, vous êtes encore un objet sexuel? Parce que finalement, on dit ça aux femmes aujourd'hui, que ce soit dans les pays en guerre ou dans les pays développés, on ramène toujours la femme à son corps. Donc, c'est toujours contre la personnalité de la femme. C'est finalement toujours ça. Dans les pays en guerre, c'est pour les violer où les femmes sont une arme de guerre. Et dans nos pays développés, c'est soit célébrer la maladie et inciter à la maigreur, soit dans les clips, la musique, etc. C'est des corps hyper sexualisés. Ouais, bien sûr. Et donc, toi, tu as fait une tentative de suicide, tu l'as dit. Comment tu as réussi à t'en sortir de tout ça, de ce cercle infernal, de la maladie, de... J'ai été énormément aidée par mes parents, déjà, qui m'ont emmenée dans une super clinique que je nomme aussi dans mon livre, qui est la clinique du château de Garches. Et là, j'ai rencontré un super médecin, le docteur Vincent Jost, qui m'a vraiment sauvé la vie, pour le coup. Je pense que c'était vraiment, c'est ça qu'il faut trouver aussi avec la médecine et avec la psychiatrie. C'est pour ça que pour moi, ça me tient énormément à cœur de parler de santé mentale. C'est pas quelque chose dont il faut avoir peur. Tout le monde, à différentes périodes de sa vie, peut souffrir de dépression, d'anxiété, de plein de maladies mentales différentes. C'est pas parce que c'est invisible que ça n'existe pas, et c'est extrêmement important d'en parler. Et moi, de trouver quelqu'un qui pouvait aussi me faire comprendre tout ça, qu'il n'y avait aucune honte à avoir autour de ça. Grâce à lui, c'est lui vraiment, véritablement, ce médecin qui m'a enlevé toutes mes idées suicidaires. Ensuite, à travers plein de choses, c'est-à-dire qu'il y a eu... Il y a eu différentes thérapies, on a énormément parlé, évidemment. Donc, c'était la psychothérapie, j'ai eu de la thérapie comportementale. Donc, c'était vraiment essayer d'enlever mes différentes idées. Donc, la thérapie comportementale, c'est vraiment que le patient soit acteur du changement, en fait. Donc, qu'ensuite, ça puisse me servir toute ma vie. Donc, c'est moi d'essayer de me dire, même encore aujourd'hui, « Ok, là, je pense comme ça, mais c'est très subjectif. Donc, je peux peut-être essayer de voir le monde aussi d'une autre manière. » Parce qu'on a, tous des choses préconçues. On en parlait au début par rapport à notre éducation, par rapport ensuite aux expériences qui nous forgent, etc. Donc, ensuite, c'est essayer de se dire, ok, moi je pense comme ça, mais peut-être que quelqu'un va penser différemment. Et donc, si cette personne me dit quelque chose, peut-être que moi ça va me faire énormément de mal aussi parce que je suis hypersensible, mais cette personne ne veut peut-être pas me faire du mal. Et donc, c'est évidemment aussi apprendre à essayer d'être plus gentil avec soi-même. Et puis, c'était beaucoup de thérapie aussi pour reconnecter au corps. Donc ensuite, le théâtre m'a fait énormément de bien, évidemment, parce que c'est ma passion. Et puis ensuite, c'est se refaire confiance à soi-même, trouver à nouveau qui on est, connaître ses envies. Donc ça, c'est un énorme chemin. Faire aussi confiance aux autres. Donc ça, mon éditeur a été... extraordinaire pour ça. Jean-Baptiste Bourras, c'est lui d'ailleurs qui a eu l'idée de ce livre, Jamais assez maigre.
Et ensuite, oui, je pense que c'est toute la vie de toute façon est faite de différentes rencontres et de différentes expériences. Et je pense que ce qui m'aide le plus vraiment aujourd'hui, parce qu'en revanche, les troubles alimentaires, ça, c'est quelque chose qui dure extrêmement longtemps. Et ce qui m'aide le plus, c'est d'accepter mon émotion. Parce que ce dont je me suis rendu compte, c'est vraiment que c'est à chaque fois, de toute façon, que j'avais une émotion forte, qu'à nouveau, le trouble alimentaire pouvait revenir, et que ce soit l'anorexie ou la boulimie, parce que j'ai eu les deux. Et c'est parce qu'en fait, j'avais tellement peur de mon émotion qu'elle me dévore, pour le coup. Et finalement, en fait, d'accepter de ressentir, que ce soit une énorme tristesse ou une peur ou... quoi que ce soit, de me dire « Ok, je la ressens. » Et en fait, cette émotion n'est pas moi. Donc, elle va me traverser. Et finalement, tout passe. Et donc, de l'accepter, ça change tout. Parce qu'avant, je pense que dès qu'elle arrivait, dès qu'elle pointait le bout de son nez, je me disais « Oh là 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 là, non, je ne peux pas, je ne vais pas supporter de ressentir ça. » Et donc, tout de suite, je me jetais sur la nourriture où je me disais « Ok, je ne vais pas manger pendant 6 jours. » Et je pense que c'est assez similaire pour toutes les addictions, parce que quand on voit quelqu'un qui se jette sur une cigarette ou sur un verre, ou ça doit être le même fonctionnement. Ouais. Et comment, toi, tu expliques ce culte un peu de la maigreur, que ce soit pour les agences de mannequins, mais aussi dans les magazines de mode, finalement ? C'est une bonne question, ça. Je pense que c'est peut-être une peur, hein, finalement, aussi, peut-être une peur de la femme, parce qu'on prend de plus en plus de pouvoir, alors est-ce qu'on n'essaie pas de nous faire taire ? Et donc, on commence par notre corps et puis ensuite notre personnalité. Alors du coup, on nous prend de plus en plus maigres et puis de plus en plus jeunes et puis de plus en plus loin aussi. Comme ça, on parle pas français, on parle pas anglais, on comprend rien à ce qu'on nous demande, peut-être. C'est peut-être une peur de la vieillesse aussi. On le voit d'ailleurs avec cette crise-là. On veut que personne ne meure parce qu'on a tellement peur de ça. C'est très mauvais pour la santé et ce n'est pas de l'amour de l'humain, quoi. Donc, moi, je trouve que c'est toujours important de remettre l'humain au cœur des choses parce que c'est quand même ce que nous sommes et c'est en remettant ça au cœur de tout que, je sais pas, qu'on fait quand même des belles choses et en étant connecté aux autres, on évolue vers quelque chose de meilleur parce que si on met toujours... évidemment qu'on a besoin de l'économie, mais si on met toujours ça avant, je sais pas, c'est quand même plus destructeur qu'autre chose, j'ai l'impression. Mais je sais pas, c'est peut-être très naïf ce que je dis. Non, mais je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que... Et puis tu dis, la mode veut juste une armée de cintres, que ce sont les vêtements qui priment. Donc c'est vrai qu'il y a, on le disait, hein, une déshumanisation extrême, quoi. Et finalement, c'est un peu la quintessence de la société sexiste, patriarcale qu'on voit dans la mode, quoi. Exactement. De toute façon, je pense que la mode est vraiment le reflet de notre société. Donc c'est juste x 10 000 tout ce qui se passe, tout ce qu'on pense et tout ce qui se passe dans les coulisses de toutes les autres industries aussi. Mais c'est juste amplifié et c'est la vitrine de notre monde. Et c'est pour ça que c'est important de le changer et que ce soit un modèle. Pour le reste, parce que toutes les jeunes filles regardent ça et s'y identifient. Et c'est pour ça que c'est tellement important et que moi, ça continue à me tenir à cœur, même si aujourd'hui, je suis très éloignée de ça, hein, parce que je ne suis plus du tout dans ce milieu-là. Mais moi, ce qui me tient à cœur là-dedans, c'est le droit des femmes. Et donc, c'est le droit des hommes avec un grand H. Et aujourd'hui, les petites jeunes filles, elles commencent à faire des régimes à 8 ans. Enfin, c'est quand même grave. Donc, c'est la santé publique au-delà de la mode. Ouais, bien sûr. Et je me demandais aussi comment le milieu de la mode traite ou traitait, en tout cas à l'époque, l'anorexie des mannequins, le rapport à la nourriture. Il y avait complètement un silence dessus. Enfin, comment c'était appréhendé ? Franchement, à part au contraire nous applaudir pour ça.
il y a pas de nutritionniste ou il y a pas quelqu'un qui nous aide. Voilà, on nous dit juste t'es trop grosse il faut rentrer dans du 32. J'avais une copine moi qui était mannequin et on lui disait non mais là t'as vraiment les hanches trop larges. Bah, sauf que elle pour le coup c'était ses os quoi qui avait un tour de plus de 90 cm. Donc elle allait pas. Elle m'avait dit ça. Elle m'avait dit bah je vais quand même pas me scier les os des hanches quoi. Et moi, je me souviens juste quand je vivais à New York, je vivais avec deux autres mannequins et l'agent qui m'avait repéré dans la rue avait débarqué dans l'appart et il avait dit, mais il leur avait gueulé dessus en disant, mais c'est pas possible que vous perdiez pas de poids, regardez Victoire, elle mange que des salades, c'est quand même pas compliqué. Donc, du coup, forcément, elle ne m'avait plus du tout parlé parce que du coup, ils essaient toujours de faire ça aussi, de mettre de la jalousie entre les filles. Donc, il y a une ambiance de merde, hein, il faut quand même se le dire. Et donc, il avait cherché dans tous leurs vêtements. Et il avait trouvé dans leurs petites culottes qu'elles avaient caché des M&M's. Et donc il leur avait crié dessus en disant eh ben voilà, vous croyez que vous allez réussir à faire quoi que ce soit de votre vie si vous mangez des M&M's. C'était horrible. C'était plus dans ce sens-là, c'était plus. Et ensuite, à l'inverse, je me disais, quand à la fin, moi j'étais allée sur la pente inverse où justement j'avais commencé à manger. Parce que je m'étais dit bon de toute façon là tous ces gens sont atroces et je devenais vraiment à mon tour quelqu'un d'horrible et voilà enfin il y a vraiment plein de scènes par rapport à ça que je décris dans mon bouquin parce que au départ j'avais rencontré des mannequins et je m'étais dit mais pourquoi elles sont si méchantes avec les autres et en fait j'ai compris le mécanisme c'est que toutes les personnes au-dessus d'elles étaient tellement atroces avec elles et moi je l'étais devenue à mon tour pendant un shooting. Un assistant styliste avait repassé sur moi la robe et m'avait brûlée et j'étais devenue mais odieuse à mon tour et je me suis dit ah ok c'est ça en fait tout le processus comme dans plein d'autres entreprises le management de toute façon et du coup à partir d'un moment de toute façon j'avais juste tellement faim je me suis mise à manger et à faire aussi des crises de boulimie et justement sur un shooting je mangeais mais plein de croissants et il y a une assistante comme ça qui est venue vers moi et qui m'a dit ah mais c'est vrai alors t'es l'une d'elles à avoir cette morphologie. Tu peux tellement manger sans jamais grossir. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, les gens sont tellement cons. Alors qu'ensuite, voilà, moi je prenais quand même. Moi j'arrivais pas à me faire vomir alors que plein de filles faisaient ça. Et moi je prenais plein de laxatifs. Ensuite, quand ça marchait plus, j'allais me faire des lavements. Et c'est ça l'envers du décor. Parfois, il y avait des caméras qui venaient en backstage. Quand on savait qu'il y avait les caméras, on allait toutes se ruer sur le buffet pour faire semblant de manger un truc, certaines le mangeaient et ensuite allaient vomir. Et parce qu'ensuite, c'est ça le problème, c'est ça qui est entretenu aussi, parce que plein de filles, du coup, se disent « Ah, c'est génial de faire croire à tout le monde qu'on est un peu des déesses et que nous, on est à part. » Et comme de toute façon, on est déjà traités tellement comme des merdes, autant au moins faire croire qu'on a ça et que oui, on peut bouffer un pot de Nutella ou un burger tous les deux jours et que nous, on grossit pas. Donc en fait, c'est toujours un truc sans fin. On fait sentir aux autres ce qu'on a subi nous-mêmes. C'est terrible. Ouais, ouais. Et je me demandais aussi, est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes à la tête des agences de mannequins ? Ah oui. Oui, c'est vraiment un milieu d'hommes. Moi, j'étais chez Elite, donc ça, c'était Gérald Marié qui dirigeait Elite. Qui a été accusé d'ailleurs de nombreuses fois de viol. Hein. C'était le mari de Linda Evangelista. Carré Otis, qui était une grande top modèle des années 80, a écrit un bouquin, Beauty Disrupted, où elle l'accuse de viol. Il y en a eu de nombreux autres. Il y a eu beaucoup d'histoires comme ça dans les années 90. Moi, le mec qui m'a repéré dans la rue chez Elite est en prison actuellement parce qu'il a violé plus de 100 mannequins. J'étais chez Silent à New York, c'était aussi dirigé par des hommes. Il y a eu l'histoire Epstein là chez Victoria's Secret aussi. Tout est dirigé par des hommes. Par des hommes, oui. Et aujourd'hui, quelle relation tu entretiens avec ton corps, avec la nourriture, avec tout ça ? Est-ce que c'est apaisé ? Est-ce que c'est encore en construction ? Est-ce que... Je pense que c'est apaisé depuis un an. Donc bon, voilà le chemin.
C'est très long. En fait, pour être très honnête, j'ai déjà eu une année très apaisée, mais j'ai eu ensuite un énorme chagrin d'amour. Et du coup, ça m'a totalement... Enfin, je suis repartie à nouveau dans l'anorexie. En fait, je pense qu'une fois qu'on a une addiction, après, à chaque fois qu'il y a, il y a un gros choc émotionnel, la réponse va être cette addiction, quelle qu'elle soit. Donc, pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être quelque chose d'autre. Moi, c'est les troubles alimentaires. Donc, maintenant, je le sais. Mais il se trouve que plus j'avance dans la vie, plus je me connais aussi. Donc, plus je sais comment répondre à ça. Et plus je sais aussi que j'ai plus envie que ça me gâche la vie. Et j'ai tellement aussi perdu de moments à cause de ça. Enfin, quand j'avais 20 ans, par exemple, mon cousin pouvait organiser plein de trucs pour moi, m'emmener au ciné, faire des sorties avec ses potes et tout ça. Je lui disais oui. Et puis au dernier moment, je m'habillais et je pleurais en me disant non, mais en fait, je peux pas sortir comme ça parce que tout le monde va me regarder et je me détestais et donc je m'empêchais de faire plein de choses. Pendant 3 ans, je me suis pas mise en maillot sur la plage. Donc maintenant, non. Même si je me bloque en fait. C'est-à-dire que même si je me dis ok, je peux pas faire ça, là aussi, c'est ce processus de me dire ok, je suis la seule à penser comme ça. C'est-à-dire que les autres n'en ont rien à faire de comment, enfin de à quoi je ressemble, parce que moi jamais je ne jugerai quelqu'un d'autre sur son apparence physique. Donc les autres ne pensent pas comme ça. Et donc maintenant je pense que ma voix saine est plus forte que la petite voix, mais je sais quand même qu'elle est toujours là. Et donc du coup je voilà, en fait, c'est apprendre à vivre avec. Mais maintenant, ce qui m'aide aussi le plus, c'est de me forcer à avoir une vie saine. C'est-à-dire que j'ai 3 repas par jour. Je sais que j'ai un poids sain. Et en fait, à un moment, je me suis dit, il faut que je décide de ça. Parce que sinon, je voudrais de toute façon toujours être plus mince et je ne serais jamais heureuse. Mais le problème, c'est que il y a plein de choses qui m'intéressent dans la vie et il y a plein de choses quand même que je trouve plus importantes et j'ai envie de pouvoir me concentrer là-dessus et j'ai pas envie que mon poids et mon apparence me gâchent tout le reste. Donc il y a un moment, il faut que je me force. Mais du coup, ça reste quand même, ça reste présent, quoi. C'est pas en mode, ah, j'en ai rien à faire. Ouais. Et puis encore une fois, c'est une maladie mentale. C'est ça. Donc voilà, c'est un travail continu et c'est pas simplement on choisit de ne pas manger ou de manger. C'est exactement tellement plus complexe que ça. C'est ça. Donc voilà. Et puis ça fait partie de la vie sociale aussi, parce que c'est-à-dire que vous avez toujours des amis qui vont vous dire ah on va dans tel resto, on va là, nanana. Et ça reste quand même une angoisse, quoi. C'est chiant. Ouais. Donc, je suis toujours la personne qui choisit les trucs. Après, au fil des années, j'ai quand même aussi, j'ai choisi aussi mes amis. Donc, je veux dire, j'ai des amis depuis très longtemps qui sont géniaux et tout le monde me connaît. Enfin, j'ai écrit un bouquin par rapport à ça, donc tout le monde sait. C'est pas comme si c'était quelque chose que je cachais. J'en parle très ouvertement. Et je pense que ça aide aussi d'ailleurs quand il n'y a pas de honte autour des choses et quand on en parle, les gens parlent aussi de leurs trucs. Donc c'est pas du tout un problème. Oui, t'as parcouru quand même un bon chemin depuis tout ça pour en être arrivé là, même si la petite voix n'a pas encore disparu, mais t'as quand même réussi à mieux t'accepter ou en tout cas en parler, à mettre des mots sur ces sentiments, quoi. Et je pense aussi que de toute façon, c'est le chemin de chacun après dans la vie. C'est aussi de toute façon, de manière générale, apprendre à se détacher du regard des autres et puis apprendre à accepter qui on est et à savoir qu'on ne peut pas être aimé de tout le monde. Parce qu'on ne nous dit vraiment ça quand on est une petite fille. Quand on est une petite fille, on nous dit tu dois être sage, tu dois être jolie, il faut que les gens t'aiment, mais pas du tout en fait. Hein. Alors du coup, c'est quand même c'est une vrai. Grande souffrance ensuite quand on se rend compte la première fois que quelqu'un ne nous aime pas, parce qu'on se dit waouh, j'ai fait quelque chose mais d'horrible ou c'est de ma faute, mais non. Et ensuite, quand on se rend compte que on s'en fiche, c'est génial parce qu'on se dit mais ouais, en fait, c'est pas du tout grave si les gens nous aiment pas. Et d'ailleurs, du coup, on apprécie d'autant plus nos amis. Et voilà, on aime certaines personnes.
certaines personnes nous aiment, on n'en aime pas d'autres, ils nous aiment pas, bah tant pis, hein, c'est... Non, mais t'as entièrement raison. Hein. C'est vrai que la société est aussi responsable hein, de tout ça, de l'image qu'on renvoie aux petites filles. T'as entièrement raison. Dire qu'on nous apprend à être sage, à être gentille, à être douce, enfin, c'est n'importe quoi. C'est complètement aberrant, mais... Ouais. Et j'aimerais bien qu'on parle maintenant aussi de ton engagement avec The Responsible Trust for Models. Ouais. Alors déjà, peut-être que tu peux nous expliquer ce que c'est, ce que vous faites, voilà, pour qu'on sache un peu de quoi on parle. Mm-hmm. Oui, alors moi, je suis ambassadrice pour eux, donc je soutiens, en fait, si tu veux, leurs actions. Moi, je suis plus du côté de... Je peux totalement donner des idées, etc. Et puis, surtout, communiquer, en fait, sur leurs actions. Mais c'est une fondation, une association donc à but non lucratif qui est basée à Londres et qui a été fondée par Elizabeth Payton-Jones qui est une nutritionniste et naturopathe anglaise. Donc c'est basé à Londres, mais le but c'est que ce soit totalement international parce qu'en fait, elle a eu énormément de clients, de patients qui venaient de l'industrie du cinéma, mais aussi de plus en plus de la mode, qui avaient au départ énormément de problèmes de nutrition, d'anorexie ou de troubles alimentaires et donc elle a dû soigner et puis aussi comme elle est naturopathe, elle parle aussi énormément des émotions et donc beaucoup de ces personnes lui ont parlé de tout ce qui arrivait dans le milieu de la mode et donc elle s'y est intéressée de plus en plus et donc elle a créé cette fondation en fait pour créer un peu une éthique et un code de travail dans le monde de la mode et donc c'est quelque chose qu'elle essaie de mettre en place au sein de chaque corps de travail, donc que ce soit au niveau des mannequins, des créateurs de mode, des photographes, des magazines, des agences, enfin de tout le monde, pour que chacun en fait puisse, si tu veux, signer ce code de travail pour que l'industrie de la mode soit un meilleur endroit pour travailler et que, enfin, c'est quelque chose qui devrait aller de soi, mais étant donné que ce n'est pas le cas, c'est pour un peu réveiller les consciences et que chacun puisse travailler en bonne entente. Donc ça va du fait que par exemple, un mannequin devrait savoir en avance pour qui elle va travailler ou dans quelles conditions, combien elle va être payée, qu'elle soit sûre qu'elle ne va pas être envoyée auprès d'un prédateur sexuel, et en fait que chacun respecte dans l'autre, enfin chez l'autre, la personne et son intégrité pour travailler dans de bonnes conditions. Et donc elle se déplace auprès de, enfin toutes les personnes qui travaillent se déplacent auprès de des gouvernements aussi, parce que le but serait que chaque gouvernement signe ça. Pour que ce soit respecté, parce que comme on le disait tout à l'heure, au niveau des lois, moi je travaille avec Olivier Véran, même s'il a passé une loi, ça marche pas, quoi, c'est honteux, mais du coup je pense que peut-être que ça, étant donné que ça part de la bonne volonté de chacun, l'industrie de la mode se dira « ok, c'est nous qui décidons d'être acteurs de changement, donc peut-être qu'ils seront plus aptes à le faire. » Ouais. Et vous luttez aussi en fait un peu contre l'esclavage moderne, enfin en tout cas dans les documents que tu m'avais envoyés, c'est écrit comme ça. Et d'ailleurs, il y avait une mannequin dans l'un des documents qui racontait qu'elle avait été enlevée, agressée, violée, et qu'en fait son agence de mannequin était une agence d'escorte en quelque sorte. C'est encore une réalité aujourd'hui, ça ? J'ai pas de chiffres précis aujourd'hui, mais on est en train de faire une recherche justement avec RTM et avec des psychologues pour recueillir des témoignages de plein de mannequins sur tous les abus et que ce soit sexuel, psychologique, financier, parce que malheureusement il y en a énormément et ils sont cachés, mais ils existent. Moi je sais que ça existait quand j'étais mannequin, donc en 2010, parce que j'ai fait partie d'une enquête de police qui est encore en cours, donc je ne peux pas te donner de nom maintenant, mais je ne peux pas te dire oui ou non, parce que je ne veux pas te dire quelque chose qui est un mensonge, sinon ça enlèverait de la portée à toutes les autres choses que j'ai dites. C'est possible que ça existe encore. Enfin, tu vois, je sais que j'ai lu qu'en 2016, il y avait encore 40 millions de victimes d'esclavage moderne quand même. Ça, c'est des chiffres de la Walk Free Foundation. Et ils disent qu'il y a 71% de femmes et un quart d'enfants. Et eux, ils décrivent qu'un esclave moderne, c'est toute personne qui se retrouve privée de sa liberté de choisir, de refuser ou d'arrêter un travail.
Et donc, c'est dès qu'il y a des menaces, de la violence, du chantage, un abus de pouvoir. Donc, quand on en parlait plus tôt, il y a plein de situations dans le mannequinat qui peuvent se retrouver là-dedans, étant donné qu'il y a plein de jeunes filles qui sont scoutées, donc repérées dans la rue, déjà quand elles sont mineures. Et puis ensuite, on le disait, oui, de toute façon, c'est un milieu d'hommes qui sont entourés de jeunes femmes, de mineurs. Et donc, malheureusement, c'est pour ça aussi qu'il y a plein de dérapages. Oui, bien sûr. Et est-ce que tu peux nous parler aussi peut-être de la plateforme Fashion 5.2.8.7, en français, oui. Pardon. Oui, mais, voilà, ça, c'est quelque chose qu'on fait aussi avec RTM, mais ça a été lancé par l'ONU. C'est une plateforme qu'ils ont créée justement pour éradiquer l'esclavage moderne et le trafic humain, et donc aussi l'abus de pouvoir, le travail des enfants, tout ce qui touche aussi aux stéréotypes, aux violences contre les femmes, et donc malheureusement parce que la mode fait partie de ces abus, et donc en fait ils ont tout un plan de différents objectifs en fait pour l'horizon 2030, pour mettre en place des stratégies pour que ça n'existe plus. Et donc en fait Elisabeth a essayé d'inscrire, en tout cas elle a proposé RTM et voilà toutes les actions qu'elle met en place dans ce Fashion 5287 pour que ce soit représenté dedans. Et il y a plein d'autres organisations qui ont pu présenter aussi ce qu'elles font pour essayer que ce soit mis en place, parce que nous on essaie de le mettre au point de vue de l'humain et des mannequins, mais voilà, comme tu le sais parce que t'en parles toi aussi beaucoup dans tes podcasts, il y a aussi toute la chaîne industrielle, comment c'est fabriqué, les conditions de travail dans lesquelles les vêtements sont faits, et toute la chaîne écologique en fait de la mode. Et nous on essaie de dire que l'humain fait partie de cette chaîne écologique. Mais il y a aussi... Bien sûr, c'est l'éthique de façon générale. Voilà. Ouais. Ouais, bien sûr. Et vous travaillez aussi pour mettre en place des certifications pour les agences, notamment, si j'ai bien compris. Oui, en fait, ça c'est ce que je te disais par rapport à tout ce code de travail. En fait, c'est toutes les personnes qui respectent ça pourraient avoir cette fameuse certification. Donc, si elles respectent tout ce que RTM met en place... elles ont effectivement le certificat RTM, et donc ensuite c'est pour qu'elles soient reconnues, mais par nous, si tu veux, c'est une valeur plus éthique, et donc ensuite c'est pour que les mannequins ou les photographes ou encore une fois n'importe qui dans la mode puissent se sentir en confiance pour travailler avec ces gens. Et le but, évidemment, encore une fois, c'est que tout le monde à la fin ait ça, et à la fin finalement pour que plus personne ne l'ait, si tu veux, que ça devienne tellement évident, parce que encore une fois, ça devrait être quelque chose de basique, quoi. C'est juste le code du travail simple et le code humain. Mais le but, c'est que le plus de personnes adhèrent à ça et que ça devienne, quelque chose d'évident, que tout le monde travaille dans de bonnes conditions les uns avec les autres. Mais au départ, c'est quelque chose. C'est une reconnaissance, et que en fait les mannequins puissent se dire « Ah ok, donc si je vais bosser avec cette marque, ça veut dire que je risque rien, en gros. » Ouais, d'accord. Et est-ce que tu as l'impression que l'industrie a quand même évolué, alors que ce soit avec le mouvement MeToo finalement, ou depuis 2017 avec les deux textes de loi qui exigent que les photographies de mode retouchées le mentionnent et que les mannequins doivent fournir un certificat médical pour exercer leur activité? Est-ce que l'industrie a évolué grâce à tout ça, ou c'est pas suffisant peut-être encore? Bah, je pense que l'industrie a quand même changé. Alors peut-être pas sur les catwalks, tu vois, parce que je trouve que les mannequins sont quand même toujours aussi maigres. Enfin, quand on voit les dernières campagnes de pub de certaines grandes maisons de couture, c'est pour moi clairement de l'incitation à la maigreur. Donc, étant donné la loi qui a été passée, ces gens devraient aller en prison, parce que c'est la loi. Donc, pourquoi ces gens sont au-dessus des lois, c'est quand même quelque chose que je trouve totalement aberrant. Donc ça, personnellement, à mon petit niveau, moi, je ne comprends pas, hein, mais bon...
Et donc, du coup, les certificats de santé, non, je trouve que au départ, je trouvais que c'était une très bonne idée. Le certificat médical, le problème, c'est que c'était pour 6 mois, je crois. Moi, en un mois ou 2 mois, j'ai perdu 12 kilos. Donc, ça veut dire qu'il faudrait avoir un certificat médical avant chaque défilé. Ça, c'est pas vraiment possible. Ou il faudrait, sur chaque défilé, contrôler les mannequins pour être sûr que chacune ne soit pas malade. Moi, je pense juste, en fait, le plus simple, c'est qu'il faudrait juste dire aux designers, arrêtez de travailler sur des patrons qui font du 32 ou du 34, travaillez sur des patrons qui font du 36 ou du 38. Voilà, et que ce soit ça le nouveau modèle, ou sur des patrons encore plus variés. Voilà, je citais Etam tout à l'heure. Et l'autre mesure que tu as citée, je me souviens plus. Ah, c'était le mouvement MeToo. Les photos retouchées aussi, pardon. Et puis oui, le mouvement MeToo, les situation générale. Si tu veux, le problème, c'est que les jeunes filles, même s'il y a écrit photo retouchée en minuscule, l'image qui s'imprime quand même dans le cerveau, c'est l'image finale. Donc là aussi, pourquoi ne pas juste prendre des physiques différents et des physiques en bonne santé ? C'est juste ça le truc. Donc non. Moi, je trouve qu'il faut juste avoir de nouveaux modèles. Et puis encore une fois, là aussi, on parle toujours du corps. Il faut avoir de nouveaux modèles. Il faut dire aux petites filles, qu'elles peuvent devenir scientifiques, médecins. Artiste, j'en sais rien, et pas juste être belle, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est évident. Et puis, il y a aussi ce problème dont on parlait tout à l'heure, où finalement, le corps doit complètement disparaître derrière le vêtement et que le vêtement prime sur la personne qui défile. Et ça, c'est dingue quand même quand on y pense. Une autre de mes invitées m'avait dit ça aussi et ça l'avait choquée qu'en école de mode, on leur disait que finalement, le mannequin, c'était simplement un porte-manteau, quoi. Ah oui, mais tu vois, c'est ça. En fait, de toute façon, toujours, c'est l'éducation. Et que ce soit pour le rapport au corps, pour le rapport à la femme aussi, et que ce soit dans notre pays ou dans d'autres, je pense que tout revient toujours à l'éducation et qu'il faut parler aux enfants et aux adolescents d'une manière autre. Et finalement, aller du coup à ce moment-là dans les écoles de mode et dire aux futures générations, votre métier, c'est quand même de célébrer la femme. Donc, le corps de la femme, ils sont tous différents, mais la plupart du temps, c'est d'avoir quand même un peu de fesses et un peu de seins, même s'il y a toujours plein de variations, et heureusement qu'on est tous différents, mais ce n'est en tout cas pas encore malade. Donc ne faites pas croire à tout le monde que le but et l'idéal, c'est de devenir ça. Je pense que oui, l'éducation, c'est quand même primordial. Ouais, l'éducation a un rôle fondamental à jouer, ça c'est évident. Non, mais c'est clair que et de façon générale, du coup après tu l'as un petit peu dit, mais que pourrait faire la mode, l'industrie textile pour lutter contre tous ces problèmes? RTM y participe évidemment. On a cité quelques pistes, mais c'est vrai que quand on parle de mode, moi avec mon podcast de mode responsable, engagé, on parle beaucoup d'environnement. L'humain a tendance à être un peu mis de côté. Moi, j'essaie vraiment d'en parler de plus en plus parce que je trouve que c'est fondamental et le mannequinat en fait partie, c'est fondamental aussi. Mais j'ai pas l'impression que ça soit au cœur des préoccupations de toutes les marques. Exactement, et donc je pense consciemment que, ou inconsciemment, quoi. Ouais, je pense que tu l'as dit finalement là. Je pense qu'à chaque fois, chacun pourrait se poser cette question là et se dire, est-ce que là je suis en train de mettre l'humain au cœur de mon action? Et finalement, que ce soit le but à chaque fois. Enfin, tu vois, j'aime bien. Moi, je suis Jamila Jamil sur Instagram. Tu sais j'adore. Elle est cool, cette fille. Et à chaque fois, elle met des posts aussi là-dessus où justement, elle brûle les livres de régime ou des trucs comme ça parce qu'elle dit, de toute façon, ce ne sont que des mensonges. Et je pense que du coup, tout le monde a son rôle à jouer. Nous, on peut se poser la question aussi, d'ailleurs, quand on suit quelqu'un sur Instagram ou quand on achète un magazine, on peut se dire, OK, est-ce que ça me fait du bien en tant qu'humain? Est-ce que ça me nourrit? Est-ce que ça nourrit mon âme? Enfin, chacun l'appelle comme il veut. Ou est-ce que ça me fait du mal? Est-ce que ça fait de la peine? Ou est-ce que ça nourrit mon ego? Moi, je me pose souvent cette question, tu vois, quand je fais des trucs
Et selon la réponse, bah, on peut décider d'aller sur un chemin ou sur l'autre. Et d'ailleurs, les rédactrices de mode pourraient se dire ça aussi, parce que franchement, enfin moi, j'arrête. Enfin, ça fait depuis que je suis mannequin, depuis que j'ai été mannequin, j'ai arrêté d'acheter tous les magazines de mode parce que, mais enfin, ça me rend dingue quand elles se disent féministes, qu'elles mettent en couverture une mannequin pseudo ronde. Ensuite, qu'elles nous disent « Soyez qui vous êtes, aimez-vous, machin. » Ensuite, on a une pub avec une mannequin d'une grande marque totalement maigrissime. Et puis ensuite, on a le régime de l'été « Aimez-vous pour l'été. » Voilà, sérieusement, quoi. 4 messages contradictoires. Super, merci. C'est vraiment le pouvoir de la femme, super quoi. Bah, elle devrait peut-être se poser la question, ok, quel est le message que je livre là, parce que là aussi, les médias, c'est un super moyen de délivrer de l'information. Bah, faut peut-être être en accord avec ses valeurs. Alors, ok, je sais, c'est là aussi une question toujours économique. Ce sont les marques qui leur permettent de vivre. Mais dans ce cas, faut pas dire soi-disant qu'elles sont des magazines féministes et pour le mouvement de la femme, parce que c'est totalement faux. Donc, je suis bien d'accord avec toi. Ouais. Et alors, la dernière question rituelle de ce podcast que je pose à toutes mes invitées, est-ce que tu as des modèles dans la vie ? Oui, je pense que j'ai plein de modèles et que ça, c'est assez constant, mais ça change aussi selon les sphères, je dirais. Enfin, je pense que le pilier entre toutes, ce serait l'engagement, l'honnêteté et l'humanité. Mais par exemple, forcément, pour le cinéma, ce serait plus Romy Schneider et Cate Blanchett. Et puis pour le féminisme, Caroline De Haas. Mais j'adore aussi Lena Dunham, Brené Brown. J'ai eu la chance de rencontrer Andrea Bescon aussi, que j'admire énormément. Et puis mes amis, j'admire énormément mes amis qui me motivent beaucoup dans tout ce que je fais. Génial. Eh ben, écoute, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous et merci d'avoir partagé ton parcours avec autant d'authenticité et d'honnêteté. Merci infiniment. C'est gentil, merci beaucoup à toi. Merci à Victoire d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, dites-le-moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.